Oh mon frère, comment vas-tu? Ouais, ça va très bien. Trop des jours, hein? Vraiment, on est là, mon frère, dans le rythme de notre pays. Ah, bonjour, tonton Caleb. Ça va, ma belle? Bien, merci, tonton Caleb. Chérie, tu me prépares une soupe rapidement. Entre temps, nous partageons une bière. Mon frère, j'aimerais que cette soupe soit de la viande de brousse, hein. Oh non, mon frère. Tu sais, chez moi, la consommation des viandes brousses est vraiment suspendue pendant la fermeture de la chasse. Ce qui me désole, c'est que les lois sur la chasse ne sont pas respectées dans notre province. Ah, mon frère. Depuis que tu es devenu avocat, tu ne parles que des lois et des décrets. Ah oui, mon frère. En plus, la viande brousse vient maintenant de très loin. De là-bas jusqu'ici, c'est trop des kilomètres. C'est vrai, tu as raison, mon frère. J'ai remarqué que des fois, elle est déjà un peu pourrie, il faut des bonnes conservations. Ah, tu as vu, hein? Non, moi je suis radical, je te dis. Ici en ville, manger de la viande de brousse, moi j'ai dit non. Je préfère offrir mieux à ma famille. Chérie, le repas est prêt. Mon frère, viens à table. Ma femme vient de nous préparer du bon poulet de notre région. Mon frère, ta femme prépare bien, hein? Tu sais, le poulet de chez nous, c'est mieux que le sanglier qu'on mangeait dans le temps au village. Ah oui, hein? Et il y a pas une saison de fermeture pour les poulets locales. La viande de Bourse-en-Ville, moi j'ai dit non.